Bienvenue à l'École supérieure du bois, un établissement atypique dans le paysage de l'enseignement supérieur français. Atypique par le positionnement puisque notre cœur de métier, c'est la valorisation du bois et des matériaux biosourcés. L'ESB accueille chaque année à peu près 440 élèves et nous vous invitons à découvrir Rosier Studies, un fonds de dotation qui a été mis en place avec des anciens élèves, des entreprises et à destination de nos candidats pour que ceux-ci trouvent par ce fonds de dotation les moyens de poursuivre leurs études à l'ESB. Il est extrêmement important aujourd'hui de venir en aide aux étudiants de l'ESB. Il y a clairement une problématique de difficulté financière pour s'engager dans des études plus ou moins longues, que ce soit pour 2 ans ou pour 5 ans. Un jeune sur deux pratiquement est dans une situation de difficulté importante, voire grave. J'ai demandé une bourse à l'école pour m'aider à soulager mes finances, puisque pour rentrer dans l'école, j'ai dû faire un emprunt bancaire. Cette bourse m'a permis d'éviter d'avoir un travail secondaire à côté de mes études. Quand je suis en période d'entreprise, je fais les allers-retours en voiture Nantes-Cholet, ce qui représente 135 km par jour, donc évidemment un coût. Grâce à cette bourse, j'ai pu trouver une sorte d'épanouissement. Ça nous soulage vraiment, ça nous permet d'être à fond dans notre formation et de ne pas être préoccupé par l'argent ou des problématiques qui tournent autour. Et lors de mon inscription, j'ai juste eu à remplir une fiche d'information demandée par l'école afin de pouvoir postuler pour l'obtention de la bourse. Ce que je trouve très intéressant à l'ESB, c'est qu'elle met l'accent sur l'écologie. C'est une école qui incarne des valeurs que je partage par rapport au choix du matériau principalement et qui pour moi est un matériau d'avenir en vue du contexte écologique actuel. Je remercie les donateurs parce que cette bourse m'a aidé beaucoup. Cela est pour moi un don très généreux de leur part qui ne passe pas inaperçu. C'est pour moi une certaine manière d'investir dans la jeunesse et ainsi investir dans l'avenir. C'est des entreprises vers lesquelles je me tournerai quand j'entrerai dans le monde du travail car à mon sens elles partagent des valeurs sur l'environnement et sur le développement durable qui sont les bonnes. Dans nos entreprises, nous avons besoin de ces talents à la fois pour leurs nouvelles compétences, leur expertise et également cette sensibilité nouvelle qu'ils ont par rapport à l'environnement, l'écologie. Ils vont nous apporter ces compétences et les solutions demain.